Sarcophage en chambre froide. Paul Billa a disparu. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Paul Billa a disparu, disparu, disparu. Ça fait un mois qu'il disparut. Même sa cohorte de crieurs n'a aucune idée de là où il se trouve. Ils ne savent pas s'il est en vie. Et s'il est en vie, ils ne savent pas s'il est lui-même au courant d'être en vie. Tout ce qu'ils savent, c'est que la momie a disparu de la pyramide. Billa a disparu, disparu. Disparu. Imaginez, c'est une histoire incroyable digne des films hollywoodiens les plus osés. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC se tient à Yaoundé dans trois jours. Même le paralytique Ali Bongo sera là. Mais les billetistes ne savent pas eux-mêmes si leur ectoplasme montrera le bout de son nez. Les choses ne semblent pas du tout aller dans cette direction. Le sarcophage est introuvable. On a perdu notre momie. Oui, imaginez, vous organisez une fête où vous invitez vos amis. Et à leur arrivée, ce sont vos chats qui les reçoivent. Quel est donc le motif de votre absence? Préparez-vous à leur fournir une réponse concise à ce sujet. Alors, chers ayopistes, chers wamakouliens zombifiés au prix de quelques gouttes d'huile et de la propagande villageoise. Où est votre lion sans crinière? Il est malade? Il peut parler? Jusqu'à quand allez-vous fermer bêtement les yeux sur le fait que vous vivez dans une dictature serpentarde qui vous empêche même de demander des comptes à celui qui perçoit vos impôts? Il a disparu. Cherchez-le. Bia a disparu. 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 Il a disparu. C'est Vondo Casper Fantomas premier du nom. Il a disparu des radars et même le Covid ne l'a pas retrouvé. Il n'y a que dans un soupçon de pays qu'on peut rester caché au sous-sol pendant qu'on a des clients dans sa boutique. Et le pays des crevettes est le seul au monde où cela est normal. C'est d'ailleurs le fait de demander où est le fantôme alors que ses amis sont là, qu'on trouve anormal. Car ce pays bizarroïde est la cuvette de l'inversion des normes. Qui a kidnappé Brenda dans ses rêves Comment une jeune fille peut-elle autant délirer alors que son tout-puissant papounet veille au grain Le plus beau, le meilleur choix pour le Cameroun est-il soudain absent pour sa progéniture Où est Paul Biya Le voilà en train de battre le record du court séjour privé le plus long de l'histoire. Casper n'a pas de cancer. Il est le pire cancer politique de l'histoire de cette République. On tue à Banna, on tue au Nozo, on se tue entre frères dans le Nord. Et il est porté disparu. C'est même pire que le cancer. Le suivisme moutonnier de ses ouailles et leur incapacité à questionner la bêtise ont fini par faire penser à Gogo qu'il était désormais. Le président, puisqu'il peut désormais vous dire, bonne fête de l'assomption, en marquant comme auteur, président Paul Biya. Je vous encourage donc à continuer d'entretenir l'enfumage et à rendre votre pays encore plus clownesque qu'il ne l'est déjà. Entre temps, Biya a disparu, et si on a fermé vos bouches, on ne fermera pas les nôtres. D'ailleurs la différence entre vous et Brenda, c'est qu'elle au moins réussit à exprimer à travers ses larmes le papa ou t'es ou t'es ou Que vos cordes vocales n'arrivent pas à cracher. En bref, avis de recherche. La France est une dictature où on vous impose le vaccin. Le Cameroun est une reptilure où on vous impose de boucher vos écailles pour ne pas demander où est le soi-disant père de la nation. Fourchu. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.